Et salut à toutes et à tous! Comment allez-vous? Moi ça va nickel. Juste avant de commencer la vidéo, je tenais à m'excuser pour le manque de vidéos ce dernier mois. Je suis vraiment désolée, j'avais plus du tout d'inspiration, donc voilà. Mais là, viens de trouver un tour de magie, donc avec un iPod. Donc comme téléphone, hein. Téléphone, iPod, tout ça. Hier, quand j'étais à Reims et j'ai fabriqué une pièce comme ça. Voilà. Et je l'ai perdue, donc c'est assez... je suis un peu dégoûtée parce que je l'aimais bien en plus. Oui, juste à préciser, donc pour faire ce tour de magie, donc il faut bien évidemment un appareil à photo, sinon ça ne marche pas. Voilà. Donc, voilà. Et, je reprends ma pièce. Voilà, c'était une pièce donc comme ceci, qui est très belle. On va tout de suite passer aux explications de ce tour de magie. Donc, pour ce tour de magie, il faut un petit objet. Donc, moi, j'ai pris une pièce et un téléphone qui fait appareil photo. Alors, tout d'abord, avant de commencer ce tour de magie, vous prenez donc votre portable ou iPod, ou bref, vous prenez une photo avec la pièce. Vous prenez une photo avec la pièce. Une fois la photo faite, vous ne bougez pas, vous enlevez la pièce et vous reprenez une même photo. Voilà. Ce qui fait, vous aurez une photo comme ça et une autre photo comme ça. Photo avec la pièce et une autre photo sans la pièce. Après, donc vous cochez la pièce dans la main. Quand vous dites qu'il faut un objectif, donc un appareil photo, tournez et mettez en mode diaporama. Hop, vous mettez démarrer le diaporama. Hop, vous faites comme ça, vous retournez, et là, quand le diaporama va apparaître, donc il faut attendre un petit peu des fois, ça marche pas tellement, faites ça, et là, en même temps, vous faites apparaître la pièce. Donc c'est dans le moment de faire ça, hop, voilà. Mais bon, là, il y a plein de photos. Voilà. Donc, je recommence. Mettez en mode diaporama. Hop. Et vous faites ça au même moment où ça change la photo. Une dernière fois, mode diaporama. Quand vous montrez l'appareil photo, hop. Donc, cachez la pièce, hop, vous faites ça, montez la photo et hop! On a l'impression de prendre la pièce en fait. Voilà. Donc, j'espère que ce petit tour vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez et commentez. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé donc, ce genre de tour de magie. Donc, avec un appareil à photo, ben, un portable, avec des petits objets pour faire des effets assez sympathiques. Voilà, bah moi je vous dis à plus. Allez!